Cette émission, monsieur le ministre, vos services nous ont permis d'avoir une copie de la cassette. Mais voilà, on va vous la reprendre après. Il n'y a pas de problème, on va suivre cela. Ivoiriens, Ivoiriennes, amis de la Côte d'Ivoire, notre pays, la Côte d'Ivoire, jadis pays de paix, a basculé dans la violence à partir de la nuit du 18 au 19 septembre 2002. Par le fait de certains de ses fils aider des puissances étrangères. Cette attaque a eu pour conséquence l'instabilité politique par la mise en place de plusieurs gouvernements hétéroclites, la partition du pays en zones nord et sud, des massacres de populations et destruction des biens ayant entraîné des déplacements massifs de nos compatriotes vers la zone sous contrôle des forces de défense et de sécurité. Le président Laurent Gbagbo a été déféré à la prison de la Haye alors que son pays, la Côte d'Ivoire, n'a pas ratifié le traité de Rome. Une justice de vainqueur est mise en place. Ivoirien, ami de la Côte d'Ivoire, c'est pour toutes ces raisons que nous, membres des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, avons décidé de prendre nos responsabilités pour mettre fin au cauchemar des Ivoiriens. À compter de ce jour, notre pays, la Côte d'Ivoire, sera dirigé pendant une période transitoire par le Conseil pour la souveraineté nationale. Et c'est au nom de ce Conseil que nous annonçons les mesures suivantes. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Toutes les activités politiques sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu est instauré sur toute l'étendue du territoire national. Les combats se poursuivront dans les zones où la sécurité du peuple de Côte d'Ivoire est menacée. Toutes les frontières terrestres, aériennes et maritimes sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toute personne ou force militaire qui ne respectera pas ces mesures sera considérée comme un ennemi de la République et sera traitée comme tel. À la population ivoirienne, cette crise armée qui a débuté depuis le mois de septembre 2002 a fait beaucoup de victimes innocentes dans nos rangs. C'est pourquoi le Conseil pour la souveraineté nationale vous demande de rester chez vous pour éviter les désarmements regrettables. Aux populations étrangères qui résident en Côte d'Ivoire, cela fait longtemps que nous vivons ensemble. Nous sommes unis par des liens très forts. Alors, nous garantissons votre sécurité et celle de vos biens à l'instar de nos compatriotes. Aux forces stationnées en Côte d'Ivoire, nous ne venons pas contre vous parce que nous sommes militaires et nous savons que vous êtes en mission. Nous vous conseillons cependant de rester à l'état de l'action en cours. Ivoirien, Ivoirien, ami de la Côte d'Ivoire, sachez que l'activité n'a pas de prix. La souveraineté de notre chef Côte d'Ivoire n'a pas de prix à nos yeux. C'est pourquoi nous avons décidé de sacrifier nos vies, si cela s'avère nécessaire, pour libérer notre pays. Que l'éternel des armées protège le peuple.